Yo les petits potes, yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui les gars, on est de retour au local avec ma bouse. C'est vrai. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui, Bouzy? Bah je t'avoue que ça va être l'opening un petit peu hein. Et surtout C'est un petit peu la suite de la vidéo carte bleue trick challenge. Donc les gars, déjà attendez, avant qu'on vous spoil, si jamais vous avez pas vu la vidéo carte bleue trick challenge, allez la voir maintenant, parce que là on va spoiler. Là on va spoiler mec. On va spoiler tous les cadeaux. En gros, il y a un fameux cadeau qu'on va ramener aujourd'hui dans cette vidéo, mais on va aussi en profiter pour déballer tous les autres petits cadeaux. Ouais. Regardez-moi ça. On a tout. Je t'avoue, on s'est mis d'accord. Hein, on s'est mis d'accord pour l'iPad. Les gars, 10 000 euros, c'est une somme. Hein. Je me suis dit, attends Michou, mais l'iPad, moi, j'ai l'utilité, j'en ai pas vraiment besoin. Hein. Est-ce qu'on peut pas comment passer les mettre sur la voiture pour que j'économise 1000 balles? Avec gentillesse, tu m'as dit. Du coup, bien sûr, Bouzy. Du coup, c'est vrai que Bouzy n'a pas l'iPad au final. Ouais, au final, l'iPad, on l'a pas commandé parce que, vas-y, le budget, il est passé dans la voiture, frère. Le budget, il est passé dans la voiture. Du coup pour 100 balles c'était le micro-ondes. Ouais. Pour moi, vous avez vu, 250 balles c'était commande Nike. Ah c'était Jogo, ouais c'est ça. Il y avait un Jogo et... truc de base jump, je sais pas quoi là. J'ai hâte de voir comment ça se met. En gros les gars, ouais, 250 balles, il y avait un Jogo. Et ce truc là, c'est un truc que tu mets sur la poitrine. Tu le mets sur la poitrine et ça te fait... ça fait ressortir les basses dans ton corps genre. Ensuite 500 balles l'iPad, 2000 balles le micro. Ah le micro, 1000 balles le micro que j'ai reçu là. Tu l'as déballé déjà. T'avoue, je t'ai envoyé un petit message. Est-ce que je peux le déballer et le mettre en live parce que je suis quand même impatient hein. C'est le micro de mes rêves. Donc j'ai la boîte là-bas. Et le micro est là-bas ouais. C'est un vrai micro que t'as là hein. Bah vous tapez ça sur YouTube, le Neumann U87AI, et vous allez tomber je pense sur des vidéos de chants ou de mecs qui font de l'instrument. Mec j'ai envie de te dire on va tester ça hein. Et y a ton Jogo aussi. Oh putain oui, j'avais zappé ça. Y a ton Jogo de la propa. On fait ça. Imagine le Jogo plus début de mulet. C'est vrai. Non mais les gars attendez, vous il faut lui dire que c'est honteux. Il veut se faire un mulet. Non mais attendez, gars, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Attends, ou pas une image d'un mulet. Ah ouais, c'est une vrai image que de sa gueule là aussi. Mais ouais, tu fais vraiment parce que tu penses que ça va être stylé. J'ai pas envie de mourir et ne pas avoir fait de mulet, tu vois. Ok, je vois ce que tu veux dire. On commence par la commande Nike, Michou. On déballe les Jogo, gros. Ça c'est mon Jogo. Ça c'est ton Jogo. Mec, on dirait un slip. Mais en fait je crois qu'on s'est trompé Bouzy. C'est pas un Jogo, c'est un truc que tu mets sous les Jogo genre. Pour la transpi genre. Ouais voilà c'est ça. Bouzy en slip. Ah bah si ça passe. Ça passe. On dirait que j'ai pas de bite. C'est quoi la sensation à l'intérieur? Parce que là on dirait vraiment c'est à même tes jambes hein. La sensation elle est dingue. Ah ouais, là j'ai envie de courir quand j'ai ça. Ouais bon c'est pas non plus incroyable. Bah non mais mec tu peux pas rester en vidéo comme ça là, j'avoue que j'ai déjà chaud. Gros après t'avais perdu la proba hein. C'est vrai mais tu m'as dit dans une vidéo. Fallait que tu fasses une vidéo avec. Vas-y attends, y'a mon Jogo. Tu sais que je sais même plus à quoi il ressemble. C'est un peu dans le même délire de... Ah ouais, non. C'est clairement le même délire. En vrai il est dingue hein. Vas-y je le mets aujourd'hui. Ouais, pas mal, pas mal. Ah si il est bien. Vas-y bah je le mets pour ma journée d'aujourd'hui gros. Il est l'heure de tester ça. Ça me fait penser à quoi mec? Ouais bah bon. Ouais maman. Tu devrais appeler ta banque avec. Parce qu'il va falloir augmenter le plafond là. Qu'est-ce que tu fous ouais. Non mais je t'avoue, je l'enlève là, c'est... Ah ouais, t'arrives pas. Je t'avoue que ça gratte, ça pique. C'est vrai. Agréable du tout. Ouais, ça serre. Bah ouais. Ah ouais, j'avoue. Vas-y. Vas-y, tu le mettras dans une vidéo que tu feras au local chaîne. Mec, je mets M2LT gros. Oh. Mais mec, en fait, ça te tape. Oh. Ah ouais. À ce moment-là. Mec, bon, j'ai peur hein. Là, comment j'entends le son, j'ai l'impression qu'il sort de mon corps. Ah ouais, donc c'est ça qu'ils veulent voir. Genre, j'ai l'impression le son, il est à l'intérieur de moi. Je pensais que c'était mieux. T'as vu, c'est bizarre. Ça fait trop bizarre. Ok, bah mec, je voulais tester, hein. Bon, Bouzy. Ouais. Gros, il va être l'heure d'y aller, là. On a... En gros, le garage, il est à Le Mans. Du coup, on a genre 1h30 de route. Après, on ramène la voiture à Albert. 3h30 en plus. Ouais, sachant que PeeWare est pas au courant qu'on vient aujourd'hui. Ah oui. Objectif, direction Le Mans. On va au garage, on récupère la voiture. Après, on la ramène à PeeWare. Hein. Voilà. Et après, on revient à Rennes. En plus, toi, tu vas découvrir la voiture, je vais te montrer. Ouais, ouais. Et c'est moi qui la conduis ou c'est toi? C'est une voiture stylée. Viens, là, on fait non, un non, échange. Non, c'est moi, non. Non, mais bon, enfin. C'est une boîte auto, donc je peux la conduire. Ouais, c'est vrai. Du coup, on échangera au pire. Ouais. On fait ça. Ok, du coup, voilà les gars. Direction Le Mans. On va chercher la chop. Vous allez la découvrir en même temps que Bouzy. Moi, je sais c'est quoi parce que. Question de culture générale. Comment on appelle les habitants du Mans? Les Le Manais. Moi, attends, je fais une proposition. Ah, tu sais pas? Parce que j'ai habité à côté du Mans, moi. Je crois que c'est les Mansois ou les Mansos. Les Manois. Mansos. Les Mansos. Mais voilà, direction la voiture. On va à Le Mans. C'est parti. Bon, bah, les petits frérots, on est sur la route. Regardez qui conduit là. Ouais, mais toi, t'es à l'aise. Ouais, hein. J'ai pris un peu le monopole de ta voiture, mec, mon ministre. Là, c'est ta voiture là, c'est pas la mienne. En vrai, je suis trop heureux là-dedans. Attends, mec, je vais appeler le mec du garage.
Eh bien, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. C'est monsieur Mattioli. Oui, monsieur Mattioli. C'était pour vous prévenir. On arrive dans. On arrive vers 15h30. Ok, ça marche. Est-ce que ça vous dérange? Parce qu'en fait, je fais une vidéo sur YouTube. Ouais. Du coup, est-ce que ça vous dérange si. Bah, déjà, je serai avec un ami. Et si on filme, ouais. Ça dérange pas. À une condition. Peut-être un peu gaffeur, mais je suis pas très très youtubeur, mais vous êtes le youtubeur Michou, c'est ça? Ah bah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et mes enfants sont fans de vous. Ok. Il faudra faire une dédicace. Ah, ouais, avec, voilà. Avec plaisir. Eh bah c'est gentil. Voilà. Gentil. Bah avec plaisir, pas bon. Trop bien. Bah on arrive dans 1h10 du coup. Ça marche. Parfait. Incroyable, il connaît. C'est carré, on arrive au garage. Let's go. On se retrouve maintenant. On est arrivé les BG. Les abonnés, vous avez pas encore vu, vous, la voiture. Oh mec, elle est d'or sa mère, gros. Attends, mais gros. Il reste du Milka. Eh mec, elle a une gueule, gros. Bonjour. Le fameux monsieur Michou et monsieur le Bouzeux. Voilà, c'est ça. J'ai appris ah, vous nom, connaissez aussi Bouzy. Bah, parfait. Ah non, mais j'ai appris vos noms aujourd'hui. Hein. Ah ouais, ouais. Mais comment vous avez su? Eh bah, parce que figurez-vous que mon fils regarde beaucoup de vidéos de vous. Ok. Et un jour, je la rentre dans sa chambre, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde des vidéos de Michou. Et je dis, Michou, c'est qui Michou? Et il me dit, bah, il montre vous. Et enfin, tout ce qui s'est passé, c'est que quand vous m'avez envoyé un mail, je dis, oh, c'est Michou vidéo. Ah, c'est vrai que mon mail c'est michou.video. Ah oui, c'est et vrai. Il m'a appelé, papa, tu sais pas qui, va y avoir monsieur le Bouzeux qui va venir avec Michou et c'est un pari. Et il est là. C'est un moteur 1.8 TFSI, ouais. 170 chevaux. Ok. Oh là 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 là. Finition ambition luxe. Luxe quoi. Voilà. Ah ouais. Oh quoi putain, il est énorme. Attends, j'avoue, mec, le coffre il est incroyable. En vrai, on peut large mettre des gens dedans. Ouais, on peut. Bah, y'a plus qu'à l'acheter, hein. Bah, let's go. Voilà, là les clés. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Au revoir et passez une bonne soirée, hein. Merci pour votre gentillesse. Bah, y'a pas de soucis. Oh, je suis dans l'Audi, t'es dans ta Fiat Punto. J'imagine, je l'habille. Regarde, si on dirait un gamin qui essaie la voiture de son père. T'es un bâtard. Je sais même pas comment on démarre. Il n'y a pas un bouton star. Les bouffons achètent une voiture. Aïe. Open. Attends. Mais démarre. Ah mais attends. Faut appuyer mec. Faut faire ça. Ah mais what. Ouais, faut la mettre et après appuyer. Oh l'avance. T'es prêt ou pas? On va tester la puissance directe. Attends, fais gaffe quand même. Ça patine hein. Oh j'avoue, ça a un petit peu patiné hein. J'avais du mal à partir, il y a eu un petit... Bah il pleut aussi, c'était bon. Ouais j'avoue. Oh. Oh là, de la patate hein. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'être un daron. Bah là, t'es un daron, mec. Mec, là, c'est vraiment une voiture de daron. Hein. Même l'intérieur comme as. Vas-y, tu vas tester, toi. À une main, mon gars. Hop. Ça fait quoi d'avoir un gros truc dans la main droite? Comment ça? Mec, en vrai, je pense que ouais, il va être refait, hein. Mec, la voiture, elle a vraiment de la gueule. Wesh. Le bâtard. Le bâtard. T'es un gamin. Là, je conduis comme le daron, comme ça, regarde. Là, ouais, ça va coudard et... T'as vraiment une pose de daron, là. Regarde-moi dans les yeux et je sais que le mal, le temps te l'enlèvera. Mais c'est moi j'en ai dans mes bras. Bon, vous y, on va attaquer la route. Tu prends laquelle? Je prends la 2. Ah, attends, faut qu'on appelle mon frère. On appelle pas Piwer, mais on va appeler mon autre frère. J'étais prêt à faire un pierre-feuille-ciseau, mais je crois qu'il veut prendre la 208, donc... Oh, je suis chaud, gros. Non, bah non. Que fait un joueur de foot quand il tire dans le ballon et que ça va dans la cage? Il marque, hein. But. Bon après voilà, Wicked tu la laisses, c'est comme tu veux. Du coup les gars, là je vous explique le programme. On va appeler un de mes frères qui habite à Albert et qui a un garage. On va l'appeler, on va lui dire ouais gros, on arrive dans environ 3 heures à Albert. Est-ce qu'on peut garer ta voiture dans le garage? Comme ça on la garde dans le garage. Lui il va appeler Piware en mode je sais pas ouais gros tu veux manger à la maison. Piware il va venir, ouais. Nous on sera dans le garage avec la voiture. C'est génial, c'est ton idée est géniale. Ouais. Ouais BG ça va? Je sais pas si tu sais mais je dois offrir la voiture à Piware, enfin à Pierre. Ouais j'ai vu la vidéo avec le Bouzeux. Ouais bah je suis avec lui là. Ouais Anthony. Ouais salut. En gros on a pensé à un truc avec Bouzy, ça serait mettre la voiture dans ton garage. Toi t'invites Piware, je sais pas, tu trouves une raison pour l'inviter. Il vient, tu dis ouais gros je vais te montrer un truc dans mon garage vite fait. Et nous on est dedans avec la voiture, Piware enfin t'ouvre le truc. Et nous on est là confetti, ouais Piware on a ta voiture.
et tout. Enfin voilà, t'as capté. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. Est-ce que tu peux déjà commencer à préparer le terrain, à appeler Piware en mode ouais gros, tu veux venir ce soir à la maison? Ouais, bah alors espérant qu'il me dise pas, putain, il a plus le droit de poser. De quoi? Bah, le couvre-feu. Ah putain, le couvre-feu, j'arrive. Ouais. Vas-y, bah t'essaies et tu me dis. Faut vraiment trouver un truc qui va le convaincre de venir, quoi. Vas-y, vas-y, parfait, bah tu me rappelles. Vas-y, bah moi je vais aller dans ma Peugeot. Ouais. Non, viens, on fait. Vas-y, ça marche. Viens, on fait un feuille-ciseau. Non. Savoir qui conduit la Audi. Ouais, vas-y si tu veux. Pierre, feuille-ciseau. Mec, ça va me faire bizarre de te voir rouler en Peugeot à côté de moi. Bah ouais, t'étonnes pas si Putain, mais du coup ça va me stresser quand même. Dans un fossé. Mais gros, toi t'es un... Hey, tu l'as conduit bien, gros. Tu l'as conduit bien. Bah je vais essayer hein. Vas-y, bah go frère. Bon les gars, j'ai le seum d'avoir gagné le pierre feuille ciseau finalement. Je vous explique pourquoi. Ça fait vraiment 30 minutes je pense avec Bouzy qu'on essaye de configurer mon Bluetooth à la voiture pour avoir du son. Et en fait ça marche pas. Du coup là je vais faire 3 heures de route sans musique. Bref, du coup on va partir les gars. Je vous avoue, on attend aussi l'appel de mon frère Anthony. Est-ce qu'on va pouvoir mettre la Audi dans son garage? On va bien voir. Ok, on est arrivé à Jiffy. On vient d'arriver les gars. Par contre, je crois vraiment que c'est la merde. Je crois que c'est la merde, je crois vraiment que je me suis fait flasher. Gros, j'ai une question. Parce que moi j'avais pas Waze. Mais est-ce qu'à un moment il y avait un radar? Ouais. Mec, 100% je me suis fait flasher. 80. Parce que comme je te suivais, j'avais pas de GPS. Et à un moment, il y avait deux voitures derrière toi. Du coup, j'ai voulu les doubler. Ouais, mais si t'en as doublé une, c'est bon. Et mec, c'est à ce moment-là. Ouais, mais ça va. Pourquoi? C'est quand il y a deux voitures dans le radar, c'est. Ah ouais? Ils prennent pas, ouais. Mec, il faut quoi? Des canons à confettis? Canons à confettis, gros. Vas-y, viens, on en prend 4. C'est stylé. Vas-y, on prend ça. Ça aussi. Tu casses les couilles. Vas-y, on va l'accueillir avec ça, gros. Bon, du coup, les gars, on passe à la caisse et on part pour de bon. On est de retour dans la Audi, les BG. On a tout ce qu'il nous faut. Bah, moi, je vais suivre Bouzy. Je vais essayer quand même de configurer le GPS, hein, histoire de pas me refaire flasher. Ça serait bien. Là, on attaque la route, les gars. Direction Albert. On se retrouve quand on est arrivé là-bas. C'est parti. Les gars, il y a mon frère qui m'appelle. Allô? J'ai la maison, j'ai un vocal numéro, c'est urgent, il a pas le choix. Ok. Il est en tête à soupçon. Ouais, c'est vrai qu'il peut avoir un soupçon si tu lui dis viens urgent. Voilà, je lui dis hello, il y a un problème dans sa famille, il faut qu'on aille d'urgence sur Amiens. Si ça dérange pas de venir regarder les gosses. Ah, c'est malin. Ouais, je sais pas s'il a prévu de live ou pas ce soir. Mec, je sais pas s'il va live. Vas-y, bah on va tenter ça, je pense. Hein. Ok, ça va. Ok, les gars, je sais pas si vous avez bien entendu, je sais pas si l'appel il était très clair. Mais en gros, la stratégie, en fait, mon frère, mon autre frère Anthony, il a deux enfants et il va dire il a une urgence et il doit partir et il demande à Piware de venir garder les enfants. Du coup Piware il va être obligé de venir à la maison et en fait il arrive, mon frère il sera là, il dit attends faut que j'aille dans le garage. Dans le garage on est là avec la voiture, c'est incroyable. Bref, on se retrouve quand on est arrivé à Albert les gars. Les gars, on vient d'arriver à Albert, putain. Waouh, c'était éprouvant. Mais mine de rien, moi j'étais bien. Tu t'es fait flasher aussi? Oui. Mais quoi? T'as dit toi aussi en mode... Bah moi je me suis fait flasher mais tout à l'heure. Ouais mais... Quoi? C'est peut-être pas vrai, genre en plus t'as doublé une voiture, donc en vrai c'est ça. Ah ouais, en vrai y'a moyen que ça passe, tu crois? Wesh BG. Ça va bien? Ça va toi? Nickel. Les gars, on va mettre la voiture là, gros, ça va être carré hein. Ah mais ouais, j'avoue que tu déconnes. Bah ouais, j'ai pas vu. Bah voilà. Bah c'est mieux que pas en avoir. Ah oui d'accord. Les gars, c'est le moment crucial. On est avec Anto, il va appeler Piware, il va lui annoncer la nouvelle comme quoi faut qu'il vienne garder les enfants, etc. C'est du pipeau. Ouais Pierre, dis je te dérange pas là. Bah je suis en live. Non. Merde. Ah j'aurais eu besoin d'un coup de main là. Ah ouais. Dis-lui c'est urgent. Ouais bah ouais, c'est hyper urgent là. On aurait eu besoin de ton coup de main pour surveiller les enfants. Ah, d'ici 30 minutes, c'est bon? Ah ça va être chaud. T'as pas moyen de speeder un petit peu? Bah vas-y, je fais un direct. Ça marche, à tout de suite. Ouais, à tout. Oh là là, le boss. Regarde le live. Attends, mais il est en live, wesh. Il continue à raconter sa vie là. Là, je vais partir. Ah. Ok. Bon, il est en live, mais là, du coup, il est en train de dire à ses abos, ouais, les gars, je vais faire une pause, je reviens. Vas-y, bah attends, faut qu'on garde la voiture et tout là. Faut tout préparer, hein. Oh là 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 là, regarde-moi ça, gros. Piware, il va arriver là, on va lui ouvrir les portes et il y aura l'Audi, gros. On se déguise ou quoi? Vas-y. Tu vois ces lunettes là? Waouh! Et là j'ai du flow ma gueule! Mec là c'est bon, là t'es à ton maximum! Pas du tout! Moi je mets le petit chapeau, on est là hein! Les gars ça vient de sonner! Chérie! Wow!
fallait bien démourir. Mec, j'ai un peu, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites là? Mais... C'est Anton. Wesh, je m'attendais pas. Tu t'y attendais pas et ça c'est incroyable. Après j'ai vu que vous étiez en voiture sur Insta. J'ai quand même mis un post. Du coup je me suis dit ah à tout moment demain ils vont la chercher et tout. J'étais à une. En fait non, c'est ce soir. Vous êtes des. Pour de vrai, j'ai un truc à te dire. Il y a peut-être moyen que je me suis fait flasher et que c'est ton permis. À combien? Attends. Elle est incroyable la voiture. Mais gros, rentre dedans, t'es timide. Mais en vrai, là, elle est vraiment longue et tout. T'es timide là. T'es timide là. Pas prêt, vous. Je sens gêné, ouais. Mec, c'est ta voiture, gros. Non, c'est moi. C'est ma voiture. On dirait, il y croit. Il va chialer. Putain, mais elle est incroyable. Eh, Bouzy, t'es une vraie dégaine. Mec, derrière la voiture, quoi, que j'ai acheté 10 000 balles. Vous avez fait un truc, mais vraiment bien. Enfin, genre, maximum. Incroyable. D'accord. Mec, okay. Je veux vraiment que tu testes les capacités de la voiture. Oh, regardez-le, il découvre sa voiture. Il découvre sa voiture. Par contre, du coup, je pourrais pas tester vraiment toutes tes capacités parce qu'il pleut. Ouais, bah ouais, fais gaffe. Ouais. Bon, bien, voilà, les gars, on rentre. Là, pour retourner à Rennes direct. Bah oui. Bah, on a pas le temps, nous. Bah, les gars, là, on retourne chez mon frérot Anthony. Et voilà. Bon, les petits BG, la vidéo touche à sa fin. Cette vidéo exceptionnelle touche à sa fin. Exceptionnelle pour toi, pour moi, vraiment. Elle est exceptionnelle. T'en penses quoi cette vidéo? En fait, j'ai pas de. On dirait que j'ai pas de réaction, que je suis mort. Si, ça se voit, t'es en mode tellement étonné que t'as pas de réaction. Ouais, en fait, c'est ça, parce que t'es émotif. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo exceptionnelle. Merci à Bouzy. Merci à Bouzy. Parce que de rien, les gars. C'est aussi lui qui offre la voiture. Merci à toi d'avoir kiffé. Merci à toi d'avoir kiffé. Merci Anthony. C'est grâce à lui qu'on a fait la surprise. Les amis, plein de gros bisous. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Vous abonner à la chaîne de Bouzy. Description première ligne, les gars. Donc on n'hésite pas, les gars. Road to 4 millions. C'est ça. Les gars, plein de gros bisous et à 500 000 pouces bleus on fait un épisode 2 où on offre une autre voiture à un autre frère. Il est trop content. Non, c'est pas bon, on va se calmer les gars, calmez-vous. On va pas pouvoir faire ce genre de concept tout le temps. Des gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao les potes, je vous aime. Salut les gars. Banks. Bama Banks.